Haitian American Sugar Company, SA. J'aime Haïti, c'est la chaîne qui suit le président. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui le, vous pouvez regarder telle vidéo qui nous continue à porter pour vous. Alors, mesdames et messieurs, nous regardons à qui ça s'est. Haitian American Sugar Company, SA. La ASCO, mesdames et messieurs. De 1912 à 1987, ensemble, accompagné Jamaïti. En Haïti, la société ASCO est quittée principalement, c'était plus gros compagnie agro-industrielle, pays atelier à partir de 1912, mesdames et messieurs. Alors, en 1912, compagnie ça lui-même, il était fondé à Wilmington, aux États-Unis. Aux États-Unis, à Wilmington, compagnie ça a été fondée, mesdames et messieurs, aux États-Unis. Alors, comme plus grande entreprise agro-industrielle que le pays d'Haïti, pas de chambien, que de vignes, alors après l'État, mesdames et messieurs, c'était plus gros employeur d'emploi qui était emploi dans le pays d'Haïti. Après l'État, mesdames et messieurs. Là, ASCO te konbay entre 40 000 à 350 000. Job, salarié, saisonnier, de manière saisonnièrement, mais il était qu'on bail job entre 40 000 à 350 000. Mon job, mesdames et messieurs. Là, depuis la plaine du cul-de-sac à Port-au-Prince et pour entrer dans la plaine de Léogane, mesdames et messieurs, là, c'était quand qui était là-dedans, mesdames et messieurs. C'était mon qui t'a travaillé, c'était en pile emploi. Alors, mesdames et messieurs, ASCO, Haitian American Sugar Company, SA, t'es rentré, mesdames et messieurs, dans Bourse New York. Alors, mesdames et messieurs, pour qu'on apprenne plus sur ASCO, nous avons un monde qui était là, qui était vivre ASCO, en attendant, avec beaucoup d'attention. C'est J'aime Haïti, la chaîne qui suit le président, Happy Love. Oui, mesdames et messieurs, monsieur Sahan a regardé là, lui-même était là. Oui, lui-même était là. Il était qu'on vive à ASCO. Entendez, histoire. La racontez-nous de ASCO. Ou saisi tendez. À Wilmington, c'est là lui-même était fondé. 5 août 1912, lui-même, c'est là était fondé à Wilmington, Jean Dibia. Nous, en 2021, président Jovenel Moïse. Il fait un qui s'est assassiné là, il touille. Mesdames et messieurs, J'aime Haïti, c'est la chaîne qui suit le président. Nous t'es toujours à suivre, président Jovenel Moïse, de très près. Donc, à ma brève, vidéo, nous, réviser vidéo, garder, rentrer, garder vidéo, on attendait dans le. Alors, Haïti, c'est un pays qui a une histoire trop politique depuis après la mort de l'empereur, mesdames et messieurs. Depuis qu'on finit assassiner l'empereur, Jean-Jacques Dessalines, il a une trouble politique. Nous connaissons en 1915, les Américains et l'armée américaine débarquent en Haïti pour trouble politique. Le principal objectif de l'armée américaine qui fait au débarquer, c'est un pile intérêt oui, américain qui est dans le pays. Par exemple, ASCO, c'est déjà un gros compagnie, troupe politique, des autres messieurs qui ont fait dans le pays, qui presque fait entreprise là, fait faillite, dans le boulet, dans le crasé, troupe politique. Dictature, moun pa ka supporter. La ASCO, c'était une principale raison pour suivre Eli, mais qui raison suite à des troubles politiques, parce que moun pa ka supporter dans le pays. Troubles politiques. Nous avons vu de 1915 à 1934, il y a une instabilité politique dans le pays. La mer américaine, bien sûr, il était là, mais nous avons vu une stabilité politique. Moun qui était là, le président, il a fait mandat, il a fait une élection, il a fait. Nous avons vu une stabilité politique dans le pays, dans la période d'occupation et l'armée américaine. En 1955, l'entreprise ASCO rentrait dans la bourse New York, mesdames et messieurs. Dans la bourse New York, l'entreprise ASCO rentrait là et les frères John Bradley et frères Sahara même ils ont acheté. D'accord, a changé dans la bourse de New York. Il y a une entreprise en Haïti qui est dans la bourse de New York, mesdames et messieurs. Nous sommes capables d'imaginer avec un peu l'émotion qui ça a été représenté pour le pays dans le moment ça.
Alors, mesdames et messieurs, après ça, en 1973, nous en 1973 maintenant, ASCO a changé de maître. Parce que là, 1934, et période de l'armée américaine a tourné et terminé, nous en 1973, ASCO a changé de maître, mesdames et messieurs. Qui mon... Non mais qui mon nom quoi, ASCO vigné qu'on y a, mesdames et messieurs. La famille Meuse, plus précisément Fritz Meuse, mesdames et messieurs. Là, Fritz Meuse, en 1973, yo-même, si monsieur ça yo-même, yo acheté ASCO. C'est pas un problème, c'est belle bagaille. Haïtien, acheté ASCO. Même si monsieur Wessendis Group, yo, je dis à nous capables de connaître Wessendis Group, ou bien Win Group, yo, mesdames et messieurs, c'est de yo-même, n'a pas loué. Caribéen, yo. Et de yo-même, qu'on y a qui change bagaille là. Il y en a immobilier qu'on y a, et même si monsieur ça, oui, c'est lui, on n'a pas. Et si monsieur, bon, si monsieur, les mêmes propres, si monsieur, les mêmes propres, c'est lui, on n'a pas qu'on y a, mesdames et messieurs. Moi qui voulais comprendre, comprendre. Alors, et groupe ça, mesdames et messieurs, si monsieur ça, au fond de 1940, c'est même si monsieur ça. Donc, on est de qui ça n'a pas. Alors, c'est même si monsieur ça, oui, mesdames et messieurs, c'est eux-mêmes qui mettent Terminal Tor là, oui. Là, on n'a pas les VAR, oui. Terminal Pétrolier, c'est monsieur ça, oui. C'est pour monsieur ça, oui. C'est même, c'est pour monsieur ça, oui, mesdames et messieurs. Alors, l'un des présidents Jovenel Moïse t'a parlé combien millions il a fait par mois sous deux peuples, dans les affaires gaz. Je comprends pour qui ça président lui-même. Il parle aujourd'hui, il a fermé les yeux. Et tu mets ça, oui, qui met terminal, c'est même mieux maintenant, c'est de on en parle. Ok, d'accord. C'est pas de ça nous vient parler aujourd'hui. Nous quittons ça pour l'autre histoire, mais nous parlons de ASCO, mesdames et messieurs. Là, le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier, ou bien Baby Doc, j'en ai capable, nous sommes capables de dire. Là, M. Sali même, il était fond, j'en ai dit actuellement, il était là, c'est Botli, il était crasé, qui était ça. Lui-même, il était dit, il remet le pouvoir, by la médaille ici. Là, il remet le pouvoir, by la médaille. J'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. Si, libre exil pour la France. En 1986, tenez bien, mesdames et messieurs, tenez bien, nous prenons date bien. Là, et en 1973, et ASCO, et ti monsieur mesure, yo acheté ASCO, Fritz Meuse, plus précisément, qui était dans la tête là. Alors, et dans la tête achat ça, pas de problème, c'est très bien ça. Et nous te dis, même ti monsieur, Wassim Dizio, groupe yo, Win groupe yo, c'est même yo maintenant. Et puis après, 1986, et Jean-Claude Duvalier, et lui-même, il quitte ça, et puis s'entendait à, mesdames et messieurs, 1987, ASCO va exister. Tendez bien, mesdames et messieurs. Et ASCO changeait de maître en 1973, et puis là, et 1986, Jean-Claude Duvalier allait, trop politique, Jean-Claude Duvalier allait, là, vint par le président, c'est la médaille ici. Nous connaissons ce qui est passé de 1986 pour arriver à 1990 pour mettre un président, l'armée d'Haïti, général ceci, général cela. Alors, là, en 1987, comme pas de contrôle, troupe politique, ASCO pas existé. C'est là, oui, ASCO pas existé. C'est notre troupe politique, oui, mesdames et messieurs. Alors, c'est là que je voulais faire nous comprendre. Je voulais nous comprendre très bien. Le président Jovenel Moïse a parlé, mesdames et messieurs, sujet à Haïti. Dans des discours du président Jovenel Moïse, pour nous apprendre, c'est vérité, président, d'a parlé. Monsieur Sahan Afgadela, lui-même était là. Oui, lui-même était là. Il était qu'on vive à ASCO. Entendez, histoire. La racontez-nous de ASCO. Ou saisi tant. Et regarde. C'est avec tué, nous qu'on a le point con. Regarde, il a plein de kilos de ça. Il était gagné 2 milliers d'employés haïtiens qui travaillent là-dedans. Ils travaillent, ils prennent pour moins contrôler tout le bagage. Ils travaillent tout
sous le président Duvalier, il a travaillé. Il a travaillé tout sous Jean-Claude Duvalier. Dans deux pas, Jean-Claude Duvalier, il a continué à travailler. Jean-Claude Duvalier est venu, il a passé les bails Meuse, la famille Meuse. Jusqu'à présent, c'est eux-mêmes qui l'ont toujours. On ne peut pas avoir de problème, il y a un problème, déficit, il y a un fait, il vient tomber. Alors, il y a des mêmes, tout matériel à ce côté de l'eau, train, pareil, machine, camion, que vous venez à Saint-Nomène, que vous venez à Dominicani. Mais toujours conserver place là pour vous, là, vous regardez là. Alors que c'est lui-même qui fait commande. Il va faire un chiffon pour faire commande de l'autre bord. L'acheter ce truc-là, il est venu revenir avec Haïti. Tout terre, c'est ça, avec barrière, c'était pour assurer. Il est venu pour sur terre la plaine, depuis le désac. Il est venu pour encore habiter sur terre, le printemps. Il est venu pour sur les organes. C'est le détecteur qui cultive quand habitant au vin prendre. Comme ça, le vin disparaît net, mais qu'on y a celui du monopole depuis la chute de Jean-Claude Duvalier jusqu'à présent, c'est lui responsable à ce qu'on. Mais quand il y a ce côté gagné, le peuple a repris, on va y aller, on prend le bâti sur eux. Donc, si bien comprendre, c'est après que Jean-Claude Duvalier finalé et puis il a commencé à dégringoler. Mais entre-temps, comment ça a été l'air à ce côté-là? L'air à ce côté-là, ça a marché très bien. Parce que c'est un peu malheureux qu'on employé dans le champ, dans le champ, avec des jardins canaux, près de 4 à 5 000 employés, pour ça, à ce côté-là, pour prendre occupé des jardins canaux pour les bagages. Cependant que qu'on a ici par exemple que mon bail net et par les filets, il commence à dégringoler, mais même s'il conserve les baraques, mais il va garder contrôle encore. Et bien à ce qu'on vient craser, ils vont tout matériel pour me dire, ils vont le temps tout avec la Dominicanie. Avec une université qui a rentré par bateau, on vient voir en Haïti. Mais à ce côté bien marché. Où t'es employé à ce qu'on? Je ne suis pas employé, même si j'ai des amis, je suis rentré sur Asco. Asco était tellement pareil. Au plus, si je suis contre le goût, la misère était là depuis longtemps. Le climat est au grand goût, je ne vais pas manger pour manger. C'est un dedans, Asco est entré, il a mangé quand. Vous comprenez? Il était de même malheur dans la rue. Comme sécurité pour finir. Il te prend trois dimanches ou deux temps de parler. Et trois dimanches, qui te sécurité, on te prend un soldat trois dimanches, on prend pour surveiller, pour faire sécurité. Et après Asco, qui ça qui vient gagner comme problème? Puisque Asco ferme, mon paquet d'emploi qui perd du job, nous avons dit qu'il perd du travail, qui conséquence? On mettait des blancs, barrages blancs par nous autres haïtiens. En relevé, mais blanc de dommage au tout. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais selon l'appointement, nous avons 2000 ou 3000, mais pas où aller comme ça. Même si c'est pas pour être pas un choc, regardez, je vais dédommager. Ou même comme au monde qui grandit, au monde qui connaît l'histoire SCO, qui sont souhaités. On me souhaite que les gens de compagnie soient tournés, mais c'est difficile. Je me souhaite que les gens soient tournés. C'est pas spécialement, non, vous parlez. Vous avez une minoterie là, qui a bon pile. Simon d'Haïti, qui a fait deux. Pays là. Tout le monde sait que 750 000 employés là-dedans, ils ont été écrasés. À celui d'Haïti, c'est pas lui, il va se faire encore. Il va se faire encore. Vous comprenez ça? À celui d'Haïti, il va se faire encore. Il va se faire Haïti. Et bien, c'est l'autre bois. Il a fait comme notre frère, une bonne. Vous pensez si vous recommencez, si vous retournez, si compagnie ça, des compagnies haïtiennes tournent? Bon, si vous retournez là, vous pouvez là, tout le travail a diminué.
si Asco tourne Kounia là, on va vous le voir de ce cas, si ça va aller, travailler, ça travaille. Et bon, il y a si mon gars ici, tout ça, s'il a tourné là, il va faire Simon ici. Et vous me connaissez, que vous êtes en Haïti même pour faire Simon comme ça. Que vous êtes à Gilbert pour faire Simon, il a toujours. Donc il est gaspillé.